on est au départ de la dernière étape. Donc vous avez Lazlo Drugi qui est placé 3ème à 12 secondes. Quelle est votre stratégie pour aujourd'hui? Est-ce que vous allez jouer les sprints intermédiaires pour les bonifications? Alors on ne peut pas jouer les sprints intermédiaires avec Lazlo Drugi. On aurait un sprinter, ouais, mais on a un rouleur parce que les gars qui ont fait le chrono hier, Lazlo, autant que les gars qui sont dans les 5-10 premiers. Donc non, c'est pas la stratégie. D'accord, et du coup ce sera plutôt essayer d'être dans une échappée. Et on coupe vite fait, ça va passer 15. On va le mettre, c'est quand tu veux, on peut le mettre. Non, on a prévu un truc. Vous avez prévu un truc? Ouais, on a prévu un petit truc. D'accord, ok, donc vous allez quand même essayer de jouer la victoire, ouais, parce que 3ème à 12 secondes, c'est quand même... On peut pas, mais la FDJ va essayer aussi le... On va essayer quelque chose, on est là pour ça. Donc on a forcément un truc à faire. Maintenant, est-ce que les coureurs vont pouvoir le faire? Ça c'est notre histoire. Ça c'est... Il faut faire, on va dire, une attaque flash. C'est ça, on va dire ça. On va dire une attaque flash. Un truc qui va bien. Si on y arrive, on y arrive, si on n'y arrive pas, tant pis. Mais il faut essayer un truc. Et on n'a pas 36 solutions avec Lazlo Drugi. On a des équipiers, on a des sprinters, on a tout ce qu'il faut, des mecs qui savent frotter, des mecs, tout ce qu'il faut. Normalement, il y a le final qui serait pas mal pour ça. Donc on va essayer. Ouais. J'espère qu'on va se régaler. D'accord, bon, on va l'espérer avec vous. En tout cas, pour le Tour du Poitou Charentes, vraiment, moi je remercie le Tour du Poitou Charentes, Alain Cloué qui a bien voulu nous prendre, parce qu'on se régale. C'est une belle course, bien organisée. D'accord, vous étiez venu effectivement aussi avec cette idée d'essayer de jouer la carte Baudrugui ou... Ben, on avait vu qu'il y avait un chrono. Lazlo, il n'était pas dans l'équipe au début. Et on a insisté, moi, auprès du manager pour le mettre, parce qu'on a dit il y a un chrono, il faut absolument le mettre, machin truc. Ouais. On l'a mis il n'y a pas longtemps dans l'équipe. On a eu des changements dans l'équipe, dont Lazlo. Et finalement, j'espère que ça va être bon. D'accord. C'est 3ème, c'est pas mal. Bah, il a prouvé en tout cas que c'était un bon choix de le faire venir. Donc voilà, c'est bon. D'accord, très bien, merci beaucoup.